Nous remercions grandement le ministère des Affaires sociales qui a accepté de nous accompagner dans cette aventure. Lorsque nous leur avons soumis le projet, ils n'ont pas hésité un seul instant. Le concept est très simple. Nous choisissons un sujet de société et nous sélectionnons 12 victimes qui viendront ici en parler. Le but est de susciter le débat au sein des familles. C'est pour cela que nous avons voulu que cet événement soit retransmis à la télévision. Ainsi, même ceux qui sont à la maison peuvent participer au débat et prendre des résolutions. Le premier sujet que nous allons aborder est celui du viol. Excusez-moi, mais c'est que certaines de ces histoires sont... Bref, je vous laisse découvrir par vous-même. Je vais inviter ici Madame Simbi, épouse Kema. Bonjour. Je remercie beaucoup M. Mbida pour l'initiative. Parce qu'au-delà de pousser les familles à ouvrir le débat sur le sujet, c'est aussi une sorte de thérapie pour nous les victimes. Les psychologues ne le diront jamais assez. Le premier pas vers la guérison quand on est victime, c'est de pouvoir en parler. Et croyez-moi, quand on a vécu ce que j'ai vécu, et qu'on a le courage d'en parler devant le monde entier, plus rien ne peut nous maintenir au sol. Non. Lorsque j'ai rencontré mon mari il y a 6 ans, j'étais loin de m'imaginer que c'était le début de mon calvaire. Amour, tu n'as pas fini? Si, j'ai fini. Allons donc. Tu dis que tu rentres à quelle heure? Je ne sais pas. Je dois passer voir Sandrine après le boulot. Je t'ai déjà dit qu'elle utilise cet enfant-là comme prétexte pour te voir. Mon amour, s'il te plaît. Il n'y aura plus jamais rien entre elle et moi, je te l'ai dit. Mm-hmm. Toi, je te crois. Je te fais confiance, mais pas elle. D'accord. Je vais trouver un moyen pour éviter de la revoir très souvent. Le meilleur moyen, c'est que Roméo vienne vivre ici avec nous. C'est à elle que la garde de l'enfant était accordée. Chérie, cette femme est irresponsable. Le seul moyen pour lequel elle a voulu obtenir la garde de l'enfant, c'est juste pour te soutirer de l'argent. S'il te plaît, mon ange, on ne va pas reparler de ça. Tu as dit que tu me faisais confiance, alors laisse-moi faire. Ok, tu as raison. Il faut qu'on y aille avant que Daniela... Maman, vous faites quoi? Je serai en retard. Et qui est ma mère? Pourquoi tu nous regardes comme ça? Vous faisiez encore quoi dans la chambre? Vous voulez que j'arrive en retard à l'école? Non, ma princesse, tu ne vas pas arriver en retard. Allez,
Allons-y. Ici. Tu as même la chance. Hein? D'autres enfants n'ont même pas de quoi manger le matin. Chaque fois, papa te donne mon argent de beignet. Mais tu ne me donnes jamais. Tu me fais boire le tapioca tous les matins. Hé, hey, ferme ça. Si tu veux, ne bois pas. Tu as compris, non? Vois-moi la tête. Je t'ai dit que tu ne rentres pas tôt aujourd'hui, non? Moi, je vais aller où après l'école? Je ne sais pas. Va chez tes amis, en tout cas, ne reviens pas ici avant 20h. Oui, Stéphanie, un instant, s'il te plaît. Oui, monsieur. Tu vas ressaisir ça en corrigeant toutes les fautes. D'accord, monsieur. Et le directeur est déjà là? Oui, il y a de cela 30 minutes. Ok, merci. Je vous en prie, monsieur. Allô? Oui, c'est bien moi. Comment ça? D'accord, j'arrive. Monsieur Kema, j'avais expressément demandé qu'on ne le mette pas dehors. Je me disais que c'était une erreur et que vous allez régler ça au plus vite. Désolé, monsieur le principal. Ça n'aurait en effet jamais dû arriver. C'est sa mère, mon ex-femme. C'est elle qui s'occupe de ça. Elle a dû avoir un trou de mémoire. Je m'excuse d'avoir dû vous appeler. Non, vous avez bien fait. Merci encore, monsieur. C'est nous qui vous remercions, monsieur Kema. Ok, monsieur, je vous laisse travailler. D'accord. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler à mon fils? Ok, je vais envoyer quelqu'un le chercher. Merci encore. Ce fut un plaisir, M. Kema. Passez une excellente journée. Bonne journée, M. Kema. Bonjour, papa. Bonjour, mon grand. Ça va? Ça va bien. Tu fais quoi ici? Ton principal m'a appelé. Tu savais que ta maman n'avait pas payé ta scolarité? Non, elle m'a dit qu'elle a payé. La dernière fois, on m'a dit de dire à mes parents de venir payer. Je lui ai dit. Elle a dit qu'elle va passer payer. À part ça, ça va? Oui, sauf que maman ne me donne pas mon argent de poche. Pourquoi? Pour rien. Elle utilise ça elle-même. Très bien. Je vais voir comment régler ça. Tu peux retourner en classe. Papa, est-ce que je peux venir à la maison après l'école? Oui, bien sûr. Il y a un souci à la maison? Maman dit qu'elle ne veut pas me voir à la maison avant 20h. Quoi? Ok, je vais demander à maman Amanda de passer te chercher quand elle va récupérer Daniela. Hein? Ok. Sandrine! 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 Kema, qu'est-ce que tu fais là? Il n'est pas encore 16h. Mais comment tu peux être irresponsable à ce point? Ok, j'ai encore fait quoi? Tu vas jusqu'à t'amuser avec la scolarité de l'enfant? De quoi tu parles? Ne joue pas à l'ignorante. Tu sais très bien de quoi je parle. Je viens du collège. C'est sûrement une erreur. Il n'y a aucune erreur, madame. Tu n'as pas payé. Ça va alors? C'est pour ça que tu cries comme ça? Oh, j'ai utilisé l'argent pour ma tontine. Je voulais payer la semaine prochaine.
Je me demande comment j'ai pu vivre avec toi. C'est ce que vous dites toujours quand une petite fille tourne autour de vous. Tu sais quoi? Je vais tout faire pour récupérer mon fils. Il ne va nulle part. Il reste ici avec moi. Ok. C'est ce qu'on va voir. Kema, tu reviens tout à l'heure pour notre rendez-vous, non? Quel rendez-vous, madame? C'est pour ça que tu as demandé à l'enfant de ne pas rentrer avant 20h? Qui t'a dit ça? Bref, ce n'est pas important. Je vais faire ton plat préféré. Je pense que je n'ai pas été bien assez clair avec toi. Il n'y aura plus jamais rien. Absolument plus rien entre toi et moi. Notre page est tournée. J'ai épousé Amanda. C'est avec elle que j'ai passé le reste de ma vie. Donc toutes tes tentatives pitoyables pour te rapprocher de moi sont nulles et sans effet. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus jamais mes enfants. Oui, c'est fini. Fini. Enfonce-toi bien ça dans le crâne. Oui, ma princesse. Ça va? Ta journée a été? Oui, avec maman, on est passé chercher Roméo. Bonsoir, papa. Bonsoir, mon grand. Ça va? Ça va bien, papa. Bon, allez vous changer. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Après l'école de Roméo, je suis allé voir Sandrine. Elle m'a tellement énervé que je ne pouvais pas retourner au bureau. J'ai demandé qu'on m'apporte mes dossiers ici. Ok. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Un petit soutien financier pour Orimo TV. Notre adresse PayPal est juste là. Merci d'avance. C'est toujours Sandrine qui te met dans cet état. Cette femme est folle. Je me demande comment j'ai pu vivre avec elle. La solution, c'est que tu récupères ton fils. De toutes les façons, Roméo a déjà 15 ans. Si je veux lui donner quelque chose, je lui donne ça directement. Oui, c'est déjà une bonne chose. Mais tant qu'il restera avec elle, elle trouvera toujours un moyen de te pourrir la vie. Je suis fatigué de tout ça. Je sais, mon chéri. Je suis désolée. Maman peut se servir? Non, j'arrive. Moi, j'ai déjà faim. Oui, je viens de te dire que j'arrive. Comme tu es déjà énervé contre Sandrine, là, tu vas alors prendre ce que je vais te dire, là, comment? Quoi? Mes règles ont commencé ce matin. Maître. Ce n'est pas grave, mon chéri. On va continuer d'essayer. Ne te mets pas dans cet état, s'il te plaît. Désolé. Avec tout ce qui se passe, c'est difficile de garder le sourire. Je sais. Écoute, la situation entre ta mère et moi est en train de prendre une tournure que je ne peux plus contrôler. Je sais. J'estime que tu es déjà un grand garçon. Tu peux comprendre certaines choses. Donc à partir de maintenant, tout ce qui te concerne, je vais le gérer directement avec toi. Je ne veux plus que ta mère soit l'intermédiaire entre toi et moi. Ok. Mais peu importe ce qui se passe entre elle et moi, ça ne te concerne pas. Tu vas continuer à la respecter, à lui obéir.
elle restera ta mère à vie. Est-ce que tu me comprends? Oui, papa. Ok, vas-y, on se voit le week-end. Ok, bonne soirée. Bye, mon gars. C'est ce que tu voulais, non? C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un enfant bête comme toi? Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Assois-toi là-bas et mange-moi toute cette nourriture. J'ai déjà mangé chez papa. J'ai dit assois-toi et mange-moi toute cette nourriture. Sinon, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu penses que ton père peut t'aimer plus que moi? Laisse-moi te dire une chose. Tu ne feras jamais partie de cette famille-là. Tu m'entends? Jamais! C'est moi ta mère. Et cette sorcière que ton père a épousée ne t'aimera jamais comme moi je t'aime. Allez, mange. Mange. Mange ça! Mange-moi ça! Allez, mange! Cette nourriture, je l'ai cuisinée pour ton père. Mais comme ton principal et toi avez décidé de comploter pour qu'il ne vienne pas au rendez-vous, tu vas tout me manger ça! Et que je n'en retrouve pas une seule miette. Et tu diras à ton père que ça sera fini quand je l'aurai décidé. Il ne sait pas qui il a affaire, mais je veux lui montrer qui je suis. En même temps, c'est pas comme si c'était de ta faute. Ouais, c'est vrai, mais ça m'inquiète. Ça va faire bientôt 3 ans qu'on est mariés. Il peut aller voir ailleurs. Mais non, ne te fais pas des idées pour rien. Moi, je sais que ça va aller. Et surtout avec ces sandrines qui n'arrêtent pas de lui tourner autour. Dis donc, ne parle plus de celle-là. C'est un cas désespéré. Je connais mon frère, il ne peut même plus la regarder. Le mieux serait qu'il ne la voie même plus jamais. C'est quoi? Le père de Daniela. Il veut qu'elle aille passer le week-end chez lui. Et en quoi c'est un problème? Isidore t'a dit que ça ne le dérangeait pas, non? Oui, je sais, mais ça tombe mal. Avec le retour de mes règles, j'ai peur qu'il se sente mal. La présence de Daniela va lui faire oublier un peu. Ah, je vois. Bon, dans ce cas, tu dis au père de Daniela d'attendre. Je lui ai déjà dit ça, mais il ne fait qu'insister. Bon, écoute, il faut que je rentre au commissariat avant que le commissaire ne me cherche. Moi, je retourne au bureau. D'accord, ma chérie. Mmh. Tu passes une belle journée. Toi également. On se prend au téléphone. D'accord, ça marche. Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux voir ma fille. Pourquoi tu rejettes mes appels? Mais je t'ai dit qu'elle va composer la semaine prochaine, non? Après ça, elle pourra venir chez toi. Quel composer? Son prof de maths m'a dit qu'ils vont composer dans 2 semaines. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Elle doit réviser. Écoute, je ne sais vraiment pas à quoi tu joues, mais sache que j'ai le droit de voir ma fille. Je ne dis pas le contraire. Tout ce que je te demande, c'est de la laisser réviser. Et après les compos, elle pourra venir chez toi sans problème. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, mon chéri. Et Kambi est juste passé. Bonjour, monsieur Kema. Désolé pour le dérangement. Je suis passé pour voir ma fille, mais je ne sais pas pourquoi elle m'en empêche. Écoute, mon chéri.
J'essaie juste d'éviter que tu te sentes mal avec cette affaire de conception. Mais tu n'as pas besoin de me protéger, mon amour. Ce qui arrive n'est pas de notre faute. C'est Dieu qui décide. Quand il voudra juste tomber enceinte, ça arrivera. Donc tu n'as pas besoin de priver Cam de sa fille pour éviter que je me sente blessé. D'accord, j'ai compris. Ça ne va plus se reproduire. Assieds-toi, s'il te plaît. Écoute, je suis désolé. Je sais que cette affaire de conception te stresse. Mais ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas à culpabiliser. Oui, mais j'ai juste peur qu'à un moment, tu décides d'aller chercher un autre enfant ailleurs. Ça n'arrivera pas. C'est toi que j'ai choisi. Et pour rien au monde, je changerai mon choix. Du moins, tant que tu ne me sors pas un autre visage de démon comme Sandrine. Ah non, ça jamais. Ça ne va jamais arriver. Alors moi aussi, je n'irai jamais voir dehors. C'est toi et moi jusqu'à la gare. Et depuis quand est-ce que tu écoutes Daphné, toi? C'était quand elle chantait encore. Mais dis-moi, Roméo n'était pas censé revenir ici pour le week-end? Oui, mais il m'a appelé pour me dire qu'il ne pourra plus. Un souci avec sa mère. Donc, on a la maison pour nous deux. Oui, mais tu sais que le stade est trempé, non? Donc, on ne peut pas jouer. Oh, j'avais oublié. On peut au moins sortir s'amuser. Ça fait un moment de ne pas sortir tous les deux. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu veux manger? Tu es toujours fâchée par rapport à ce qui s'est passé avant-hier. Je suis désolée. Les pompiliers. Quoi? Tu as demandé ce que je veux manger. Je veux manger les pompiliers. Ah d'accord. Je vais au marché tout de suite. Écoute mon bébé. Je sais que les choses ne sont pas faciles pour toi. Mais je veux que tu comprennes que je serai toujours là pour toi. Je suis la seule famille qui te reste parce que ton père nous a abandonnés. C'est vrai qu'il essaye de se racheter en te ramenant de temps en temps chez lui, mais tu ne feras plus jamais partie de sa famille. Sa famille maintenant, c'est cette femme qu'il a épousée et sa fille. Et elle ne te fera pas de la place là-bas. Donc maintenant, c'est toi et moi. On doit se serrer les côtes. On doit être là l'un pour l'autre. Moi, je suis prête à tout faire pour toi. Il faut que toi aussi, tu sois prêt à tout faire pour moi. D'accord? Est-ce que tu as compris? Je veux t'entendre le dire. Oui, maman, j'ai compris. Tu as compris quoi? Que c'est toi et moi. Et on doit se serrer les coudes. Voilà, mon grand. Je t'aime très, très fort. Allez, viens là. Aïe, aïe, aïe. Quelle soirée. J'avais déjà oublié à quel point ces choses-ci faisaient mal aux pieds. Tu veux que je les masse? Bien sûr. Allez, envoie-moi tes pieds. Ça me fait beaucoup de bien. Envoie l'autre. Je me sens vraiment mieux. Merci beaucoup, mon chéri. Ça va? Non, masse encore un peu. Non, ça va, merci, ça va. Bien. Donne-moi une seconde, je vais me mettre à l'aise. Ok. Quelle journée.
signé Blaise Option, la pièce unique.